Là où ça bouge, nous sommes à Hoolgat pour le festival du film européen qui commence aujourd'hui. Et nous allons en parler avec Sylvain. Mais Sylvain, on va rentrer à l'intérieur parce que là, il fait un peu froid quand même, non? Oui, rentre, Jacques, c'est mieux. Ok. On va être mieux là, Jacques. Oui, absolument. Il fait meilleur dans cette belle salle. Je vous invite à venir pour voir jusqu'au 20 octobre le festival du film européen, 256 places. Et on y voit un cinéma très varié, finalement. C'est pas vraiment le moment. Alors oui, l'intérêt, c'est de rester à Hoolgat, mais que l'Europe cinématographique vienne à nous et représenter toute cette différence, cette richesse culturelle à travers des films. Notre festival, c'est plutôt un festival de films d'auteur. Donc les thèmes abordés sont plutôt graves, mais on vit, c'est à l'image des sociétés dans lesquelles on vit. On a un panel de pays représentés assez vaste. Oui. Il y a la Hongrie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Grèce, qui arrivent encore à produire des films. Tant mieux. Combien de films ? 23 films. 23 films. Eh bien, écoutez, venez à Hoolgat pour ce festival du film européen jusqu'au 20 octobre dans cette jolie salle où il fait quand même meilleur que dehors. Quand même, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît ? Tout ce qui est un peu techno, électro. C'est sympa en concert. Là où ça bouge, à Alençon, pour vous parler du 10e anniversaire de Jazz Horn Dance. C'est ici, à Alençon, mais aussi partout dans le département. À Alençon, il existe un véritable vivier de danseurs hip-hop. Et quand les danseurs hip-hop rencontrent des danseurs contemporains, ça les inspire. Festival Jazz Horn Dance, on est plus dans la création. C'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, ça nous amène aussi sur des scènes comme là, auditorium, théâtre, luciole, des endroits vraiment où on est en création. Des danseurs issus du hip-hop, et non des moindres, Mourad Merzouki, par exemple, Kader Atou, sont à la tête de centres chorégraphiques nationaux aujourd'hui. Donc eux-mêmes ont amené, si vous voulez, le hip-hop à l'excellence, à la créativité chorégraphique, et ont fortement influencé effectivement les chorégraphes dits contemporains et les chorégraphes classiques. 5 grandes compagnies de danse se produiront jusqu'au 24 octobre dans l'Orne. Jazz Horn Dance, ce sont des stages, des spectacles, des rencontres. Là où ça bouge ? Ouais ! Ouais ! Mec, c'est n'importe quoi, ça y est. Demain, Là où ça bouge sera toujours dans l'Orne au Forum de Flair pour écouter Philippe Torreton qui lira des textes d'Alain Leprest. Tu sais bien que tout va y passer. Rimbaud, le fric, la guerre, Isabelle et l'alcool, maman, les putes et moi, Paris, Jeff et Québec. Somebody, somebody, yes, you want somebody. Salut, c'est Jay Norseman, je suis dans Là où ça bouge. Somebody, somebody, yes, you want somebody. Quand on écoute ce titre, Somebody, on a l'impression que c'est plus ouvert qu'avant au niveau musical, je me trompe ou pas? Ouais, c'est, on va dire que ça reflète un petit peu l'état d'esprit actuel. Donc voilà, il s'est passé plein de super choses cette année, plein de premières parties super. Et puis ben, les nouveaux chevaux. C'est assez cinématographique, c'est vrai. Mmh. Quand je compose, j'ai toujours plein d'images dans la tête. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est une chanson sur plutôt les sentiments, ouais. Par rapport à un sentiment d'abandon, par exemple la fin d'un couple, quand ça parle de ça, tu vois. Mais par contre, c'est enrobé d'images, et donc c'est un peu scénographié, voilà. Et dans la tête, tu vois, on peut parler de sentiments, mais on peut en parler de manière western, de manière africaine, de manière... Puis là, ça mélange un peu tout ça. En tout cas, c'est demain soir à 18h en apéro-concert au Big Band Café Hérouville. Et c'est gratuit. Exactement. Ça, c'est bien.